Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis Fabrice Hernandez, 63 65 Collins Avenue, La Coya. Nous allons faire donc l'actualisation au niveau de ce building et de voir ce qui s'est-il passé. Rappelez-vous, ce building, nous avons la possibilité de faire de la location mensuelle en short term. En short term, ça veut dire de vacances. Donc un mois minimum, c'est-à-dire que 12 guests, donc vous pouvez le louer même si pour 15 jours si vous en avez envie. Donc ici très très bien pour faire une rentabilité au niveau d'un appartement. Je vous le rappelle, nous sommes sur 528 appartements au total, 11 appartements par étage, 48 étages au total. Nous avons donc cette semaine, comme vous pouvez le voir ici directement sur cette feuille, nous sommes en train de parler de la semaine du 25 août au 1er septembre. Donc cette semaine, 5 appartements. 5 appartements en total à vendre dans le building. Nous avons donc par contre une activité vraiment très active ici au niveau de ce building. Un appartement pending, pending comme tout le monde, vous le savez maintenant puisque vous regardez mes vidéos depuis un moment. Quelqu'un a fait une offre dessus, l'offre a été acceptée. Donc il est pending et c'est une offre cash. Donc c'est le 12-11 qui est une chambre, une salle de bain, nous pouvons le voir ici. Ça a été justement très très récent, en auguste 30, le 30 août exactement, avec un prix qui était listé de 685 000 dollars. Nous allons voir au moment du closing, si nous allons jusqu'au closing, à quel prix exactement cet appartement a été vendu. Je vous le rappelle, uniquement 53 jours sur le marché, nous sommes sur un prix de 860,15 $ le pied carré. Voilà guys, je continue. Un autre appartement, closing, c'est-à-dire vendu le 33-03. 3 chambres, 3 salles de bain et demi. Il a été vendu au prix de 2 150 000 $. Il était affiché au prix de 2 299 000 $. Cet appartement est resté uniquement 26 jours sur le marché. L'activité au niveau de la vente est toujours assez active ici, in Miami Beach. Concernant la location, voyons voir un petit peu ce qui s'est passé. 30 appartements en location dans ce building. Nous sommes ici sur trois nouveaux. Donc le 809, le 2401, non, deux nouveaux, pardon. Le 809 et le 2401. Vous pouvez le voir, ce sont donc des appartements avec 3 chambres, 2 salles de bain. L'activité est très intense. Une petite baisse au niveau du 2305. Nous pouvons le voir ici au prix de 3 600 $. Il était au prix de 4 200. Ce n'est uniquement une chambre, une salle de bain. La baisse du prix paraît plus ou moins logique. Nous nous rapprochons du prix raisonnable, ce que l'on peut avoir sur Miami pour une chambre, une salle de bain. Et deux pending, donc deux qui sont en cours de contrat, le 4102 et le 1201 qui étaient au prix de 8 000 $. Et l'autre au prix de 11 850 $ par mois. Nous verrons à quel prix ils ont été loués. Voilà, guys, regardez, par rapport à l'activité que vous avez sur La Coya. Vous pouvez consulter régulièrement l'activité de La Coya sur la page web de La Coya. Je vous donne la page web www.acoyareport.us. Vous pouvez également directement m'appeler, m'envoyer un message, m'envoyer un texto ou m'envoyer un WhatsApp à mon numéro personnel 786-603-0184. Ainsi, vous voulez des informations? Si vous désirez vendre un appartement, vous avez un appartement à la plage, vous voulez des informations concernant la rentabilité et des explications de la rentabilité que nous pouvons avoir directement à la plage, prenez rendez-vous directement avec moi. Ci-dessous, le lien de mon calendrier électronique, ainsi vous pouvez prendre un rendez-vous directement à votre convenance. Ou vous pouvez également m'appeler directement, tout ça sans obligation aucune, uniquement à titre d'information. Et je vous conseille même, donc, cliquez à ma YouTube channel, cliquez sur ma chaîne YouTube, ainsi vous pourrez recevoir une notice chaque fois que je mets l'actualisation de ce building et des autres buildings que nous faisons le report sur la plage. Vous pouvez recevoir directement une notice et vous avertir de la vidéo en ligne. Voilà guys, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et rappelez-vous, directement sur le site, vous pouvez voir l'actualisation, la rentabilité non seulement de la semaine dernière, mais de plusieurs années en arrière. Nous faisons l'actualisation des buildings ici sur la plage, essentiellement depuis plusieurs années. Donc restez informés, allez directement sur le site, cliquez sur ma YouTube channel et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous désirez vendre votre appartement au meilleur prix. Le marché a changé. Le marché n'est plus identique de 3 mois en arrière, de 1 an en arrière et 2 ans en arrière. Donc,
tenez-vous informé, directement téléphonez-moi, prenez un rendez-vous avec moi. Le lien du calendrier est ci-dessous, comme je vous l'ai dit. Je vous attends pour toute information complémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.